Graphique fancy, tout va bien. Brightness 100%. Les particules tous. Full screen off. Render distance phare. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais. Ok, done pour ça. Difficulté, on va laisser en normal. Contrôle. Contrôle. Z. Left, c'est. Non, left, j'ai dit c'est Q. Back, c'est S. Right, c'est D, donc ça c'est bon. Tiens, sneak. Drop, moi je mets la lettre P. Armor GUI. Je vais mettre la lettre A. Boost K. Je vais mettre la lettre E. Elle est déjà utilisée ailleurs. Visiblement, non. Bon, on va voir. Boost K. Je sais pas après R je vais suivre un petit peu, on verra bien ce que ça donne. La vache, il y a quoi comme contrôle quoi? C'est quoi tous ces contrôles? Bon, quoi qu'il en soit. Plus de contrôle s'il te plaît. Alors le chat. Entrée s'il te plaît. Inventory. Ah oui, inventory, c'est vrai que je l'ai mis sur E. Donc l'autre, le boost K, on va le mettre sur sur R. Résultat. Le P, il est déjà utilisé. Celui-là, on va utiliser le F. Déjà utilisé, le G n'est pas utilisé, c'est quoi ça? Pocket crafting table. Ah, ça je le veux sur le C. Pneumatique helmet option. Ok, bah écoutez. Bon allez, hop, pour le moment, on verra bien. Si j'ai besoin de quelque chose, je retournerai dans les fonctions. En attendant, entrée. ZSQD, ça c'est bon. Non, le Z, il me l'a pas pris. non, c'est pas ça que je voulais. Option. Contrôle. Ouais, le Z, il est en conflit. Il est au conflit avec MPS, le contrôle, M, bon, on va l'utiliser, ouais mais il y a M, on va l'utiliser sur quoi? Allez, sur le moins, comme ça au moins je suis sûr, ça va pas m'emmerder. Voilà, là je peux bouger. Ok, donc, on va lire déjà les bouquins, alors il est en anglais, hein. World Domination with Open Blocks. Ok. Blocks, hein, il y a un S. Hein. Oui, c'est ça, Blocks. D'accord, donc ça, ce sont les noms des développeurs. Donc, oui, ben... Ça, ce sont tous les noms des développeurs. D'ailleurs, on va le. Ok. Alors, bonjour. Donc, les blocs. On a quoi? On a les élévateurs, donc les ascenseurs. Ensuite, on a les sprinklers. Qu'est-ce que c'est que les sprinklers? Les sprinklers. Pour fertiliser des graines. D'accord, c'est un arroseur automatique. Très bien, ok. Une radio. Pret-meter. Allez, color. Donc ça apparemment c'est une imprimante, ok. Ok, un piège à ours.
Building wide, ouais, un guide view outside ghost block in different shape. Vous fournissez des blocs fantômes. D'accord, apparemment ça c'est pour entre guillemets planer, c'est pour s'aider à construire canvas. C'est pour faire des peintures, ok, d'accord, c'est un canevas, oui, simplement. Vacuum hopper, ok, ça c'est un hopper mais qui attire vraiment vers lui assez balèze. On a des galets, on a des tanks, donc pour contenir des liquides. Fan des ventilateurs, donc block breaker, donc ça c'est pour briser des blocs. Automatiquement, ça peut être intéressant. Des placeurs de blocs, des items droppers. D'accord, en fait les droppers sont différents des droppers. Ok. Anvil automatisé. Un gros bouton. Une table de craft automatique. Oh, tu charries. Une éponge. Ouais, d'accord, des échelles mais en corde comme on peut avoir au bord des hélicos. Village Heightlifer. Ok, je sais pas ce que c'est. Ok, hein, de quoi stocker l'XP. Drawing table, une table à dessin. Skyblock. Ok, et XP shower, une douche d'XP. Ok, d'accord, admettons. Les items, on a le language, c'est quoi? C'est un destructeur de papier? D'accord, non, c'est un coffre apparemment qui nous suit. Sonic glasses, des lunettes Sonic. Référence Docteur Who, je suppose. Hand Glider. D'accord, ça c'est un deltaplane. Un curseur, je sais pas ce que quoi ça peut servir. Ouais, bon, allez, hop. C'est sympa. On verra ça un peu plus tard. Pour le moment, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer à... comme toute aventure Minecraft. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Voilà, on a Gun of item ici. Normalement dans les options je dois être en mode d'accord, je suis en cheat mode, donc récipi. Donc ça c'est bon. D'accord, les game modes ça, on s'en fiche. C'est quoi ça? Creative plus. Je sais pas ce que c'est que le Creative plus. Layout style. Ok. Là on est en keybinding, ok, et donc là voilà, en faisant un simple clic on voit comment l'avoir. Par exemple si je fais simplement un stick, l'objet de base dans Minecraft, ok, et on voit comment on peut les obtenir, donc tout ça tout va bien. Et comment on obtient des planches avec du bois. Ok, voilà, simplement. J'ai pas vu, est-ce que... Ouais, ok, donc déjà. Écoutez, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en accéléré pour récupérer un petit peu de bois, faire un petit peu, ben, commencer à prendre des ressources. Vous aurez toute l'aventure, vous aurez tout en accéléré. J'annonce, voilà. Donc je coupe juste ce premier arbre avec vous. Puis voilà. Cette aventure, pas réellement de but. Si devenir avoir un comment réussir à créer des systèmes pour à fond enfin, comment pour vraiment être indépendant en énergie, indépendant voilà, indépendant en tout en fait. Donc voilà, donc premièrement, hop,
Voilà, des planches. Une table de craft. Encore des planches. Il va en falloir encore un peu plus. Ok, hop, ça. Alors, juste une question. Maintenant, est-ce que, par exemple, je veux me faire une... c'est une pickaxe en bois. Donc là, non, si je fais shift-click... Shift-clic, voilà, j'ai ma pickaxe en bois. Donc ça marche. Ok, là je voulais le tester. Donc et bah c'est nickel. C'est nickel tout ça. On va la récupérer plus tard. Bah écoutez, on va commencer à creuser un petit peu. Juste histoire de récupérer quelques ressources. Basiquement. Pour le moment, ça va être juste un début d'aventure basique. Ça va être ça le départ. Et puis ben bah, sur ce, ben. Bah, à tout de suite, tiens, on a déjà du minerai ici. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Quoi qu'il en soit, bon, bah, on va chercher l'iron. On va juste couper la musique, les sons. Oui, c'est vrai que ça, par contre, ça a dû vous casser les oreilles, mais un truc de royal depuis le début, j'en suis désolé. Mais bon. Nouvelle instance de Minecraft, évidemment, tout ça, voilà. Juste, oui. Ouais, c'est bon, j'ai 8, donc c'est bon. Donc, un furnace. Hop. Ça pose pas de problème. On va mettre quelques planches, on va mettre quelques... Hop. Ok. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Je passe en accéléré. Je vous mettrai encore les superbes musiques de Newground. Vous savez que je vais chercher mes musiques libres de droit sur Newground. Vous aurez le nom des artistes à chaque fois. Vous pouvez aller sur le site de Newground si une musique vous plaît. Voilà. Bah écoutez, bah sur ce, je vous dis à tout de suite.
Ok, donc voilà, bah on est sur le point de construire notre première machine, le query. Pourquoi le query? Parce que je compte automatiser dès le début le minage. Au moins, comme ça, on sera tranquille et on pourra avoir la tête à autre chose. Alors déjà, premièrement, je suis désolé si le framerate n'est pas terrible en ce début d'épisode. Mais je suis en train de terminer d'encoder le timelapse que vous avez eu précédemment. J'ai envie de tourner, donc résultat, bah, désolé pour le framerate. Je sais que je tourne qu'à 15 FPS actuellement. 10, oula. Ouais. Bon, normalement, d'ici 10 minutes, normalement, ça devrait être terminé. Voilà, bon, on a déjà le query. Ok, donc le query c'est bien, mais il va falloir l'alimenter. Pour l'alimenter, il va falloir qu'on fasse d'autres choses qui appartiennent à Buildcraft. Alors, on peut commencer à alimenter avec des Redstone Engine. Ça coûte pas très très cher. Et ça a juste besoin d'un signal de redstone. Ou on peut directement passer dans le Stirling Engine qui lui va consommer des carburants comme du coal. C'est quoi? C'est de la stone gear. On peut faire ça. Un piston. J'ai certainement de quoi faire un piston. Ouais, donc un piston. Et puis dans tous les cas, il va falloir un piston. De la glace. Ah, j'ai pas de sable. Je vais juste aller en chercher rapidement. Mais bon, on va déjà faire les stone gear. Alors les stone gear, c'est pas bien compliqué. Ouais, alors on va déjà commencer par faire. Voilà, des wood gear, ça peut toujours servir, donc j'en fais pas mal. Et non, j'ai pas de stone. Alors pareil, j'ai fait des crafting station. Ah oui, ça a vraiment pas le framerate. Ça va s'arranger, c'est que temporaire, hein, je vous rassure pour le framerate. Donc les crafting station, c'est simplement des tables de craft recraftées. Ça veut dire simplement on met une table de craft ici, on a une crafting station. Et l'avantage des crafting station, c'est que les items restent à l'intérieur quand on craft. C'est le principal avantage. Alors, les Stirling Engine, on va en faire pas mal. Donc je fais pas mal de ces roues là. On va pouvoir en faire même 4 comme ça. Non. Ouais, si, c'est ça. Ok, hop. Voilà, donc on a ça. Il va nous falloir un piston. Alors, des pistons, c'est du piston vanilla, hein, donc c'est pas bien compliqué. Ce qu'il nous faut, c'est de l'iron, de la redstone. Et attendez, cobble, un cobble qu'on a dans notre inventaire, et des planches de bois. Donc, déjà on va commencer. Planches de bois, on va pas en faire beaucoup, hein. Ça peut toujours servir. Je vais en faire 32. On verra bien. Voilà. Et donc. Stirling Engine, un piston, et normalement si je fais ça, on a de quoi en faire 6. Ça peut toujours servir, donc je vais en faire 6. Je vais vraiment. Alors, mis à part le diamant, je vais pas jouer vraiment l'économie de ressources. Je vais vraiment faire tout ce qui peut éventuellement servir. Alors il me faut ça, il va me falloir de la cobble. Ok, je manque un petit peu de cobble. Voilà. Disque dur galère réellement. Enfin bref. Et au milieu, c'est quoi?
quoi exactement? C'est du verre. Ok, du verre. Bah écoutez, bah je vais juste aller chercher un petit peu de sable. Il n'y en a pas pour long. Ce qu'il me faudrait, c'est une underpearl. Avec l'underpearl, je me ferai l'élévator et ça m'éviterait de me taper tout le trajet. Ah ouais, avec le framerate, ça devient vraiment horrible à monter. Bon, c'est pas grand-chose. C'est parce que je tiens réellement à tourner. Ça y est, je suis passé à 30, à 40 FPS là en pendant quelques secondes, mais c'est redescendu. Ok. Là, j'ai l'impression de revenir sur mes premières vidéos, quoi, tellement ça rame. Bon. On va en prendre un peu, hein. On est là pour ça de toute manière. J'en ai une dizaine. Bon, allez, on va en prendre 16. Pourquoi je suis remonté? J'en sais rien. Ah oui, et puis donc oui, pendant l'accéléré, vous avez vu, il y a ce liquide bleu là. Alors au départ, j'ai pas bien compris parce que j'ai tué deux animaux dedans. Et j'avais l'impression qu'ils s'étaient désintégrés. Et en fait, non, j'ai vu que j'avais le mode morph qui me permet de me transformer. Voilà. En ce que je veux, enfin en tous les animaux que j'ai tués. Donc voilà, donc là en vache. Donc je connais un petit peu ce mode. Je sais que le plus avantageux reste la chauve-souris. J'ai également, alors oui, je suis en skin de Mexicain. Je sais pas pourquoi mon skin refuse de marcher sur FTB. J'en suis désolé. Ça doit être problème de, parce que vu qu'ils ont changé les skins entre la 1.7 et la 1.6, je crois, ça, je sais pas, il veut pas passer mon skin. Donc je réfléchis, mais je ne peux pas, j'ai pas trop envie de toucher à FTB pour tout faire planter. Qu'est-ce que je fous là, moi? Ouais, si, on peut remarquer. Hop, voilà. Donc voilà. Pareil, j'ai vu apparemment qu'on n'avait pas le mode Timber. C'est Timber, hein, ouais. Qui permet de couper les arbres en un seul coup. Ça veut dire en fait on brise celui du bas et puis tout le reste tombe. Voilà. On va pas s'éterniser ici. Vous savez que j'ai horreur des biomes neige. Je compte partir dans une plaine, et si possible dans une plaine proche d'un désert. C'est ce que j'aimerais le plus. Alors pourquoi? Parce que dans les plaines, on a de l'espace pour construire, et dans les déserts, ce sont les biomes où il y a le plus de taux de spawn. Et voilà quoi, c'est. Vu que c'est là qu'il y a le plus de taux de spawn, c'est là où on peut avoir le plus d'enderperles. Sinon, faut que je voie si on peut faire également des safarinettes. Si on peut avoir des safarinettes et se créer une ferme à Enderman, ça serait quelque chose d'absolument génial. Il va me falloir plus de verre que ça, j'ai de réagir, mais ouais. Ok, on a déjà 4 Stirling Engine. Ok, maintenant il va falloir pouvoir connecter notre Stirling Engine avec notre query. Pour cela, il va nous falloir des tuyaux. Donc les tuyaux, donc il va nous en falloir de deux types. La première, ça va être des wooden kinesis pipe. C'est cela, c'est pour de l'output, donc il faut des wooden transport pipe. Ça se fait avec du bois et du verre, hein, donc je manquais de verre. Ouais, évidemment. Ouais, je n'ai ni bois ni verre, donc résultat.
Si j'avais du bois, mais bon, ça fait rien. Il va juste me manquer un peu de verre. Je vais rapidement aller en rechercher. Et la première query, on la placera dans l'océan. Pourquoi dans l'océan? Parce que c'est là où ça dévisage moins le paysage. On va rester ici encore un petit peu, hein, temporairement. Mais c'est pas très très longtemps. Juste le temps de se préparer à partir. Donc voilà. Mais au moins, dès que notre première query sera posée, on sera tranquille pour un bout de temps. Donc voilà. Donc si vous connaissez des petites astuces que je ne connaîtrais pas en mode, parce que je ne suis absolument pas un expert en mode, hein. Qu'on soit bien clair, là je me lance dedans, toutes mes connaissances je l'ai à force de regarder bah, les Patrick. Je suis également un autre youtubeur qui joue pas mal en Minecraft modé. Il s'agit de Shad. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, je vous le recommande. C'est un bon youtubeur. Pareil, ses vidéos au niveau du framerate sont pas terribles, mais bon. Enfin, au début. J'aurais peut-être fait beaucoup, mais ça va servir de toute façon. J'ai bousillé tout mon verre. Non, j'aurais pas dû. Bon, enfin, on va se débrouiller autrement. J'aurais dû en faire avec de la stone, mais bon. C'est parce que je parle en même temps, je fais n'importe quoi. Bon, wooden, kinésiste, pipe, redstone. Non, la redstone, c'est en dessous. Ah, bah elle était là, ma biloche. Tout à l'heure, je suis sorti à la fin de mon timelapse là en panique totale parce que j'avais pas de comment parce que je n'avais pas de oh. Parce que j'avais pas de viande sur moi et j'étais en train de mourir de faim et en fait c'est simplement parce que je l'avais mis dans mes coffres un petit peu de déchets Ah, des wooden pipes comme ça, il va pas m'en falloir des masses, il va en falloir que 4. On va en faire un peu plus de toute façon, parce qu'on peut se le permettre. On va en faire une dizaine. Ouais. Le reste, on verra. Une dizaine, ouais. Ouais, de toute façon, on n'aura pas plus qu'une dizaine de Sterling Engine. Voilà, et ensuite il va nous falloir des cobbles. Non, des stones. Que je dise pas de bêtises, pas la cobble, les stones qui n'existent pas. Pourquoi les stones et pas les cobblestones? Simplement parce qu'elles peuvent transmettre plus d'énergie. Les stones peuvent transmettre deux fois plus d'énergie que les cobbles. Ce qui m'attire davantage. Bon après les diamants évidemment c'est un truc énorme mais on n'obtiendra jamais ça avec des Sterling Engine. Donc voilà, donc on a des cobble transport pipe et pareil donc il va me falloir davantage de sable. Vu qu'il va me falloir davantage de sable, ce qu'on va se faire tout de suite. C'est une pelle. Donc ça, pas compliqué. Ah, apparemment mon... Non, c'est juste qu'il est passé à un autre morceau à... Je me dis, ça commence à augmenter, mais non, en fait. J'entends des animaux dans les murs, enfin des mobs dans les murs, mais je ne les vois pas à la surface. C'est assez étrange. Donc voilà. Donc pour le moment, cette montée-là, dès qu'on aura des enderperles, je ferai un élévateur pour gagner du temps. Parce que c'est sûr que la montée-là, elle m'agace autant que vous, je vous rassure.
je suis en train de récupérer tout le sable qui va nous falloir. Ah bah les v'là, vous cherchez les mecs. Ouais, par contre je suis pas équipé. Ah, oh, puis j'ai plus de... puis j'ai plus de bouffe sur moi. On va y aller en marche arrière. Mais normalement c'est bon, ils ont dû perdre le focus. Je vais quand même surveiller, mais normalement ils ont perdu mon focus. Je suis trop loin d'eux normalement. Enfin, je dis ça le dernier coup que... Le dernier coup lors de ma série en hardcore, vous vous souvenez, il y a un creeper qui est arrivé jusqu'à moi. Pareil, j'utilise beaucoup, c'est le F7 qui permet de... comment de... D'avoir le... Hop, le lead qui permet d'avoir le taux de luminosité sur le sol, savoir si une zone est spawnable ou non, et si elle est spawnable en permanence ou spawnable simplement le jour. Ça fait une croix orange sur le sol si c'est spawnable uniquement le jour, et une croix rouge si c'est spawnable en permanence. J'ai encore une iron gear ici. J'ai récupéré aussi pas mal de shards. Alors les shards, ça servira en magie. Et j'ai ça, le chimérite. Pas du tout à quoi ça peut servir, le chimérite. Ok, il a chargé un petit peu. Essence conduite, mana batterie. Ah, ça a l'air d'être pour la magie. Infusé d'essence potion, ok. Et oh, je... attendez, excusez-moi. Voilà. Ça sert strictement à rien, ok, d'accord. Ok, 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 bon, bah ouais. Quantum Dust, pareil, j'ai pas vu à quoi ça pouvait servir. Et puis je peux pas comme ça le regarder d'ici. Ah, petit freeze. Bon, c'est du quantum, j'ai dit. Quantum. Il est là. Et tu sers à quoi? Essence de superposition. Ouais. Quantum. Ah, quantum, c'est... Oui, d'accord. Pour un ordinateur quantique, ouais, admettons. Elle est quantum goggles. Alors, à mon avis, ça doit être pour... avec le mode, en fait, Computer Craft. Je connais pas cette extension de Computer Craft. À mon avis, ça doit être pour ça. Hein. Ça doit être pour ça, ça doit être pour Computer Craft. Ça serait sympa si on pouvait faire un petit peu de Computer Craft. Vous savez que je suis développeur, donc Computer Craft. J'ai jamais réellement touché au langage Lua, mais c'est pas... Enfin, j'ai regardé un petit peu au langage Lua, mais c'est pas un... C'est pas un langage qui m'attire plus que ça. En plus, c'est assez simple à créer. Ouais. Enfin bref, on j'y jetterai un œil dès que j'aurai le temps. Ce qui m'attire pas dans le langage Lua, ce qui m'a un peu déçu quand je me suis intéressé, c'est que ce n'est pas un langage qui est orienté objet. Ça peut paraître rien pour certains développeurs, mais moi je suis vraiment adepte des langages qui sont orientés objet. Donc voilà. Bah, une fois qu'on aura nos wooden pipe, nos stone pipe, on va pouvoir...
On va déjà commencer. On va déjà commencer parce qu'on peut déjà en faire deux. Oh non, on peut en faire 16. Oh bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. On en a plus qu'assez. On en a plus qu'assez. Wooden, et puis. On va en faire la moitié. Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est des wooden normal. Ça, c'est des kinésis. Ok, on va vraiment bien les différencier par contre dans notre inventaire. Donc voilà, donc ça, ce sont les wooden. Ça, ce sont les. Il y a trop de wooden, mais ça fait rien. Et les stone pipes ici. Ça, on va le mettre là. Ok. On va le surplus, on va le poser ici. Ça aussi. Déjà plus de place dans ce coffre ici. Des coffres, on va. Pas de bol, je vais poser le bois en plus. Le bois. Il va vraiment falloir qu'on aille dans une plaine également, c'est pour récupérer du bois normal, parce que ce bois-là, le spruce, ne va pas du tout. Parce qu'il faut qu'on fasse des barrels. Et le problème, c'est que les barrels ne peuvent pas se faire apparemment avec le spruce. Donc il va nous falloir du oak le plus rapidement possible. Mais bon, c'est pas encore dramatique. Ça, on peut les laisser là. Bon bah non, bah on a déjà. Bon pour le moment l'autre surplus on va le laisser là. C'est là. Non, ça j'en ai besoin. On va se faire un maximum de plans de. Ouais, deux, bon bah deux, ce sera que deux. De toute façon on le gérera assez simplement. On les posera à la fin. Ok, et si il fait jour, une épée. Il me faudrait une épée. Avec une épée, ce serait quand même plus simple de se battre. Une épée en fer, hein, on va pas gaspiller nos diamants pour rien. Plus de la pelle, ça servira à rien. Allez. On va remonter, épée en main au cas où. Normalement, il fait jour. Il fait jour. On a de la chance, on va pouvoir poser notre query. Et j'ai oublié un truc. J'ai oublié de crafter quelque chose. En soi, c'est pas important, on peut s'en passer, mais j'y tiens. Donc on a donc on va avoir besoin de redstone et on va avoir besoin de lapis-lazuli. Ok, donc 1, 2, 3. On va s'en faire 4 quand même. Même si normalement 3 devrait nous suffire. Et on va se faire des land marque. Les landmarks, on va. De toute façon, ce sera sur la fin. J'agrandirai le toit là, enfin, comment le dessus de notre tête pour qu'on puisse avancer plus rapidement. Parce que c'est vrai qu'ici c'est pas évident. Allez.
Quoique les landscapes, en fait, je sais pas si on va réellement l'avoir besoin. On verra. En attendant, on va poser nos 4 Stirling Engine. On va poser nos Wooden Kinesis Pipe par-dessus. J'ai oublié le charbon. Tout va bien. Alors ensuite, j'ai manqué de blocs, mais bon. On va poser le premier ici. On va mettre une landmark dessus. Et on va cliquer droit dessus. On va essayer. Alors, je réfléchis, mais normalement. Ouais, on va laisser comme ça. Ouais, non, on va pas utiliser de landmark. Attendez, par contre, F3 plus A parce qu'on a un problème de génération de map là. On va ouais, vire la landmark. On va la récupérer. On va directement poser. Ah, surprise, voilà. Donc on a notre query qui est posée. On va pouvoir avec ça. Voilà. Et on va simplement mettre une wooden pipe par-dessus. On va poser des cobbles. Non, pas là. Ok, je la récupérerai après. Voilà, et on va prendre nos 2 coffres. Et les poser ici. Voilà, et notre query. Alors, notre query a comment? Un chuck loader à intégrer, mais de toute façon ça nous intéresse pas parce qu'on va pas être si loin que ça. Voilà, et donc on va s'intéresser au prochain mode qui est forestry. Quoique en fait je suis équipé de métal. On va se faire une petite Razian mob. On va se faire une petite Razian mob et après on s'intéressera à forestry. Je vais vous épargner le F3 quand même. Allez. Venez ici, créature démoniaque. Ah oui, avec le framerate, par contre, ça va être assez ignoble. Bon, elle en est où le... Il en est où l'encodage de... Hop, c'est bon, je peux me transformer en zombie. Les hâtes aussi, ouais, j'ai vu qu'on pouvait avoir des hâtes. Il y avait le mode hâte sur cette version. Hâte unlocked. Ah oui, d'accord, en plus je peux unlocker des hâtes. Ok, d'accord. Un peu d'XP, c'est trop rien. Oula, un zombie en colère, un angry zombie. Oh, je peux me transformer en ça aussi. Là, par contre, je crois que je crois qu'il s'en fout littéralement hein, de un Enderman. L'Enderman, je le veux. Oh, il est swag avec le chapeau.
Ok, CTP. Je te vois, ok. Oui. Et je peux me transformer en Enderman. Par contre, il m'a pas laissé de perles. Eh merde. J'ai l'impression que la première fois qu'on les tue, ils ne font pas spawner de... Ok, ma QRA est en train de tourner. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, par contre, elle consomme pas mal. C'est l'inconvénient, c'est qu'elle consomme pas mal. Et au niveau du coffre, on a commencé à remplir un petit peu en sand et en cobble. Malheureusement, c'est encore... C'est encore... Ah, il y a un truc qui est tombé. Ah oui, c'est vrai, il y a... Oui, avec le mode... c'est Tomcraft, il laisse tomber des espèces d'orbes. Oula. Je vais me faire snipe.